j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour du Poppy Playtime. Un live Poppy Playtime. Allez, ok, première cinématique. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy. La plus grande poupée inventée, and she is the first truly intelligent doll in the world. C'est la première poupée A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Elle peut, c'est la seule poupée à pouvoir tenir une conversation, c'est-à-dire qu'elle peut parler avec un enfant comme ça, avec n'importe qui. And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. D'accord, ça commence. Donc, ok, donc là il y a une sorte de fleur. Donc, je sais pas, c'est important. Bon, ok. Poppy Playtime. Ah, bon, je me suis mis vraiment en retard à ce jeu. Bon, vous inquiétez pas, je suis en chapitre 2. Ok, donc vous êtes un ancien employé et après 10 ans après, tout le monde a disparu. Retrouvez la fleur. Ok, d'accord, ça. Moi, je serais restée sur mon canapé et non, j'irai pas en fait, on est dans cette usine. Ok. Welcome. Ok, bon, on peut pas partir. Oh, bah c'est cool. On a un guide. Une cassette verte. Donc peut-être que ça dans le lecteur vert du coup. Ok, parfait. C'est parti pour la première cassette. Hi. My name is Lake Vierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. Là, on dirait un peu là, genre la boutique souvenir, quoi. Genre, dès que les gens sont venus dans l'usine, genre boutique souvenir où ils peuvent acheter leur poupée et tout. C'est stylé. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Je pense. Ça m'a l'air d'être donc. Ok. Ah, attends. Ah oui! Il y a un truc avec des couleurs. Ok, d'accord. Donc, du coup, étant le code, je crois que c'est vert, rose. C'est rouge ou jaune d'abord? Jaune, rouge, voilà. Je ne souviens plus de l'ordre de jaune et rouge. Ok. Donc là, on dirait un peu la salle de la sécurité où il y avait tous les caméras, tous les gens qui regardaient ceci, tout ça. La deuxième case. Ok, une belle cinématique. Ah oui, le grappag, bon ça je le connais, hein. Comme ça tout le monde le connaît. Donc ça se tient ici, c'est un peu comme un sac à dos. D'accord. Donc ça, sur toi. Donc ça a des sortes de canons pour les mains, du coup pour projeter les mains. Ah oui, donc tu peux prendre, tu peux interagir avec les objets, et là tu retraques, et là tu fais venir vers toi. Ok. Et donc ça peut aussi servir. Ah oui, d'accord. Et aussi, tu peux faire ça. Ça, je crois qu'il n'y a pas d'autres humains qui se foutent dans l'usine. Donc, normalement, ils ont disparu. Donc là, on peut faire... Ah oui, les trucs électriques, là. Ouais, ça, j'en ai entendu parler. Merci. Utiliser le grab pack seulement pour les responsables, c'est-à-dire ceux qui travaillent à l'usine. Mais nous, on est ex-employés, donc c'est... On a le droit. Est-ce qu'on a le droit? Oui, on a le droit. On peut le prendre? Cool, merci. Ah, c'est... Oh, c'est trop bien.
Oh oui, c'est stylé ça. Ok, donc c'est la main. Donc, tu peux un peu tout faire. On peut aller un peu dessus. Non, mais attends, donc ça veut dire que si je reste... Ah oui, si je reste appuyé, du coup, voilà, ça fait les trucs là. Donc là... Oh. Welcome. Welcome to... Playtime. Bonjour, monsieur. Comment t'allez-vous? Chewbacca bleu, j'ai envie de dire. Bon, reste comme ça, hein. D'accord? Attends, c'est quoi ça? Ah! Donc c'est Huggy Wuggy, bon ça, on va faire un peu de temps, hein. En fait, c'est Huggy Wuggy, du coup, je pense que c'est. Oh, il y a plein de trucs, hein. Ok, donc là, du coup, on va faire. Hein? Ah! Quoi, mais. Tout t'as la clé, toi? Ouais. Suspect, toi, Huggy Wuggy, hein. Suspect. Ouais, c'est ça. Oui, oui, oui. Je te surveille, hein. Ok? Me fais pas peur. Reste là, d'accord? Tu fais rien et ça sera très bien. Donc, continuons à enquêter, je vous rappelle. Hein. Ok, donc... C'est les balais. Bon, ça ne servira à rien. Oh, une prise. Ah, oh, ça c'est les trucs du métal là où ça décolore ou ça devient marron. Non, j'aime pas trop ça. C'est pas du sang en fait, c'est juste que ça devient marron les trucs. Ça dépasse sur les murs, ça devient un peu marron, c'est bizarre. Et là c'est le truc marron qui est bizarre. Non, on va pas en parler, c'est pas ce qui est important. Donc ça c'est le truc encore d'électricité. Donc là, hop, et c'est bon, on a remis le courant. On a remis le courant, mais Guigui a disparu. Ah, t'es invisible, hein. T'es sûrement t'es invisible. T'es toujours là. Enfin, j'espère, non. T'es plus là. Ok. Enfin... Salut. C'est cool, hein. Il est plus là. Il est plus là, il est plus là, il est plus là. Cool. C'est tout ce qu'on... je rêve où c'est la main de... Dans ce jeu. Désolé, mais t'es un petit peu suspect. Yuki, t'es pas suspect, t'es juste imposteur. Parce que là, c'était... Ok. Oula. Ah là là, sursaut. Ah, là. Ça commence déjà, j'ai envie de dire, ça commence déjà. Ok. Ah là là, ok, c'est pas trop... ça rassure pas trop, là, ce ton voix. Moi, je préférais quand j'étais à l'accueil, hein. Ou même quand, en fait, que quand j'y allais pas, en fait. Ah bah dis-donc, ça a changé depuis que je suis pas venue. Parce que je rappelle que je suis un ex-employé, c'est-à-dire que on va juste démissionner. Donc il y a une cassette jaune à récupérer. Parfait. Alors, donc... Ah, il y a une sorte de... C'est quoi ça? Attends, peut-être que... Ah oui, d'accord. Ah, il y a une autre... Il y a un peu des bobines de couleur, peut-être. Un petit peu, ça doit être ça, des bobines de couleur. Ok, donc à mon avis on va devoir tous récupérer, je pense, hein. Donc on va essayer de les récupérer, enfin, à part il en manque 3, j'ai vu. Attends, ce que ça... Ah, c'est quoi ça? Ah oui, c'est le truc pour venir à l'escalier, là, d'accord. Ok, ça marche, parfait. Donc là, faut trouver les 3 autres, on dirait un peu bobines de couleur. Ah, il y en a une là. Ok, récupérer. Non, on n'a pas là. On a une là, du coup, je l'avais déjà vue. Attends, je vais te prendre. Tac, parfait. Donc il en manque une, du coup. Elle est où la dernière? Bonjour. Je me demande où ça peut être. Parce que, ah oui, il y a une main rouge. Ah oui, d'accord, une main rouge. Peut-être derrière les cartons. Parce que les jeux comme ça, souvent, il y a des. C'est des trucs un peu tordus, les. Non, je vois pas la bobine. Je me demande où est la. Je vais chercher. Je sais pas si je vais faire une coupure. Bon, ça devrait être assez court normalement. Hein. Il en reste qu'une, donc j'ai pas besoin de faire de coupure à mon avis. Ah, elle est là, ouais, c'est bon. Elle est là. Ok, c'est bon, on a toutes les bobines de couleur. Donc là, on va aller les mettre à leurs endroits. Ah, donc la main rouge, elle est là, du coup. Donc on va la récupérer. Enfin, peut-être qu'il faut mettre les 3 autres bobines de couleur.
On n'a pas trouvé la cassette jaune. Bon, ça, orange-jaune, c'est assez bizarre. Mais c'est pas grave. Donc là, on va mettre les trois autres. Tac, tac, tac. Ah oui, donc, ah oui, il y a une... Ça, là, ok, donc ça, on va la récupérer. Donc là... Ah oui, c'est cool comme manière d'inventer. Enfin, c'est assez ingénieux, je trouve. On a donné normalement. Ok, vas-y, vas-y, vas-y. Ok, bah merci. Ok, c'est bon, on a les deux mains. Donc là, vraiment, on est équipé au max. Là, c'est bon. Donc la main bleue, main rouge, pardon. Voilà. Oh oui, c'est trop stylé. Moi, j'aime bien, franchement, j'aime bien ce système de main. Ah, ça souffle à moitié. Ok. J'aime pas trop ça souvent quand ça s'ouvre à moitié. Non, je sais, parce que là, je sais pas, là. J'ai peur qu'il y ait Huggy Wuggy qui me fonce dessus. On va essayer. Je sais pas, là. Bon, allez, ok. On va... Non, je vais aller revoir. Est-ce que c'est possible qu'en fait... En fait, je pense que peut-être que Huggy Wuggy, en fait, il soit revenu. Enfin, c'est possible qu'il soit revenu. Enfin, il y a toujours le truc du gaz là. Peut-être que Huggy Wuggy, en fait, est simplement revenu là où il est là. Peut-être que c'était une petite surprise. Ok, la porte a été fermée. Oh non, la porte a été fermée. À croire que c'est Huggy Wuggy qui l'a fermée. Ou peut-être que c'est quelqu'un de la sécurité qui veut juste nous faire une petite blague. Parce que là, si vous nous faites une blague, là, il nous a pas fait rire, il nous a fait peur. Hein. On va pas se mentir, mais... Ok, hein. Donc là, donc vraiment, il s'est vraiment enfui, donc je pense pas que c'est vraiment quelqu'un. En fait, c'est vraiment Huggy Wuggy, c'est vraiment la grosse peluche. Hein. Surtout que je l'ai en peluche aussi. Ok, allez, toboggan! Wouh, yes! J'arrive à m'amuser alors que y a un Chewbacca bleu qui se balade. Ouais, faut se... Ah, ok, donc on peut pas monter là, quoi qu'il arrive. Donc c'est marqué 2, donc moi je peux trouver la bobine 1 de couleur, du coup, enfin d'électricité, pardon. On va chercher. Ah, c'est encore un casse-tête. Ah, c'est casse-tête encore pour l'électricité. Là, on peut monter peut-être. Non, toujours pas monté, malheureusement. Là, est-ce qu'on. Oui, on peut monter là, ah, là c'est bien. Attends, donc là, 1. Ok, donc là on allume ça peut-être. Est-ce que on fait ça et... Oh yes, c'est bon. Ah, en fait c'était facile hein. C'est pas mal. Je suis content, j'ai réussi. Je trouve que ça allait prendre plus de temps. Mais non, c'est bon. Ok. Oula, j'ai pas que Huggy soit là. Ça va. Ouh. Oh là là, encore un sursaut là. Je lui attendais pas aux alarmes. Ok, donc c'est des alarmes. Pas ça. Donc c'est des alarmes. C'est des alarmes, ok. Ok, c'est bon, il y a pas Huggy Wuggy. Ok. Encore le truc marron sur les murs là. C'est les murs qui décolorent. Parce que quand les murs décolorent, vous voyez, c'est un peu marron comme ça. Ok. Alors. Donc là, il n'y a rien. Là, on dirait qu'il y a des trucs de bois. Peut-être qu'on peut. Non. Attends, ce que j'ai vu des... Attends, peut-être que... Ah, attends. Ah, on doit mettre un jouet pour que la porte s'ouvre. D'accord, ça marche. Donc, attends, là... Ah, il y a le power, là. Donc, on va voir, on va remettre plus de power. Ah, ok. Encore un truc d'électricité, à mon avis, où on va avoir encore un petit casse-tête. Attends. Ah oui, c'est juste en haut, là. D'accord. Ah oui. Ouh, là, c'est... Oh, stylé. C'est super cool là. Attends, parce que là ça a l'air un peu plus dur. Bah c'est pas que c'est plus grand, c'est plus dur hein. Ouais, ça m'avait l'air un peu plus dur ce casse-tête encore d'électricité. Donc attends, je vais voir juste un truc dans les paramètres. Voilà, parfait. Alors, donc si je fais, oh là, ça a l'air un peu plus compliqué. Attends, est-ce que... Ok. Donc il y a ça. Ça m'a l'air un peu plus compliqué ça. Ça m'a l'air un tout petit peu plus compliqué. Peut-être que... donc là ouais, il y a le 2, donc là on peut pas. Il faut mettre le 1. Donc attends, ça veut dire que si je fais...
Attends, je peux... Est-ce que je peux prendre... Non, je peux vraiment mettre la planche. Non, c'est pas facile par contre ce casse-tête là. Là, je sais pas si vous pouvez m'aider. Enfin non, vous pouvez pas m'aider. Enfin, vous pouvez pas m'aider parce qu'en fait là, en fait c'est comme si j'enregistrais, après je la mettais en live. C'est assez dur à comprendre, mais c'est comme ça en fait. Là, en fait, là, je suis pas vraiment en live. En fait, j'ai déjà enregistré et après, j'ai mis en live. Je sais pas si vous comprenez bien, mais c'est comme ça en fait. Donc là, si vous me dites une chose, en fait, je peux pas. Là, je suis. Là, en fait, j'enregistre mon écran et après, je le mets en live. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Ça s'appelle une première en fait. Ok. Bon, j'arrête de parler de ça parce que ça va vous ennuyer un peu. Normalement, je ne trouve rien. Enfin, je sais. Bon, on va y arriver quand même. On va pas abandonner. Parce que si on abandonne, on n'aurait même pas vu Giwigi. On n'aurait même pas terminé le jeu. Ce sera un peu triste quand même. Est-ce qu'on peut. Non. Faut vraiment activer les bobines de couleur. Peut-être qu'en fait, si on fait. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de bobines de couleur en fait. Enfin, je dis ça, mais peut-être qu'il n'y a pas besoin des bobines de couleur. Enfin, non, pas. Pourquoi j'ai dit bobines de couleur? C'est pas bobines de couleur, c'est les. On va les appeler les tourelles Tesla un peu, parce que c'était comme ça. On va les appeler les tourelles Tesla. Ah non, il y a un... Non, ça marche pas. Non, parce qu'on a pas, on a pas mis, on a pas activé la deuxième. Hein. Faut activer la deuxième, en fait. Donc du coup, peut-être que si on fait ça... non, là, et qu'on l'active, on fait ça, et... Ah non, c'est bon, là, j'ai dépensé trop, là, attends. Je vais essayer de trouver un moyen. Là, je fais ça. Je fais ça. Ça. Et. Allez. Ça peut marcher, je pense que ça peut marcher. Et. Yes, c'est bon! Yeah! On a réussi. Ah, il y a qu'à cette rose là. Ah, il y a qu'à cette là. C'est de la fin. Parfait. Ah, yes, on a réussi déjà et on a la cassette. Donc c'est pas mal, je suis assez content. Oui, donc là c'est bon. Là on peut activer. On peut activer, donc là c'est bon. Donc là on va mettre la cassette. Ok, donc on va pas non plus écouter. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co Factory? Pourquoi? Bonjour Stella, pourquoi veux-tu travailler aux États-Unis? Quand j'étais petite, j'adore jouer aux Playtime. Donc là j'ai un peu une interview de quelqu'un de l'usine Poppy Playtime. Donc là, elle raconte comment c'est possible de travailler dans une toy factory. S'intéresse pas à ça, non, hein. Tu peux enquêter, ok, donc là. That's a pretty great feeling. Yes. Ah, ok, c'est bon. Ah, ok. C'était bien. Bon, allez, on va finir le jeu. On va finir le jeu. Enfin, je pense, hein, peut-être pas. Hein. Ouais, moi je pense qu'on a terminé. Allez, c'est parti. C'est la fin du jeu. Oh, c'est... oh là 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 là. Il est là, Giwigi. Oh.
Oh là, il m'a fait... Oh, Wookie Wookie. Oh, ah, mon petit Chewbacca bleu, tu fais bien 3 mètres de haut, hein. Oh, il est méga flippant. Oh, il fait trop peur. Peut-être passer par là. Non. Oh là, j'ai eu chaud. Faut aller là. Vite. Ok. Oh non, un labyrinthe. Oh non. Je connais ça. Je connais très bien ça. Année. Ok. Ça va. Ouh là, il est là. Ouh là. Oh my god, j'ai trop peur. Ok, pas là. Non. Expérience 1006. Cool, merci beaucoup. Ouh, Maggie m'a mangé. Donc c'est bon, c'est fini. Bon bah je pense que c'est terminé, hein. Ah non. Oh non, s'il vous plaît. Oh non, mais je sais que tu vas apparaître. Oui, je sais. Ah, j'ai commencé à sauter quand il vient. Mais arrête le truc là de musique, arrête de me regarder là. Ok, on va essayer de pas échouer encore parce que il fait quand il vous prend, il fait très sursauté, il fait très bien aussi. Ok, allez, peut-être qu'on va terminer le jeu. Je serais content de terminer la vidéo en beauté en réussissant à terminer le jeu. Ok, là c'était bon. Tac, on va là. Peut-être que j'aurais dû sauter, je sais pas. Non, je pense que j'aurais. Ok, j'avais pas besoin de sauter. Oh, un toboggan. Youpi. You. Oh non. Non, s'il vous plaît, non. Oh. Encore une fois, oh là, il fait, non mais, c'est mieux, il fait encore sursauter comme d'habitude. Bon allez, cette fois on va y arriver. Non, je vous le dis, on va y arriver. Allez, c'est parti. Moi je vais terminer le jeu parce que c'est bon. J'ai assez des ennuis en fait. Ok, voilà, c'est bon. Ok, là j'ai pas eu peur, Ok, allez, vas-y, attrape-moi. Allez, vas-y, attrape-moi, j'ai hâte que tu m'attrapes, vas-y. Allez, je t'attends. Voilà, t'es là, ok, ça marche. Non, mais je sais ça. Ok, t'arrives là, ok. Bon, là, je parle normalement, mais j'ai toujours peur. Hein. Mon cœur, bah, c'est la première fois que j'ai aussi peur. Ok. Est-ce qu'il est derrière? Parce que peut-être qu'il est pas derrière, en fait, j'ai juste un bruit. Imagine, ok, là. Non, fallait aller là. Ah, ok, cool, fallait aller là, à ce moment-là. Peut-être qu'il est pas derrière nous, hein. Imagine, en fait, il y a rien, il y a rien. Ok, il y a vraiment un gabouti, en fait, qui est là. Il est vraiment pas gentil, hein. Pourquoi il est pas gentil, on aurait pu jouer ensemble. Laissez-moi partir. Ok, il y a plein de tags, à croire qu'il y a des gens qui sont venus ici exprès pour faire des tags. Ok, j'ai pu avancer, voilà, c'est bon. Voilà, allez, toboggan. Je peux partir si vous. Oh non, il faut que je parte là. Oh non, il va faire. Ah, la porte. Oui, la caisse. Attendez. Oui, je pense qu'il là, je pense qu'il est bien mort. Hein. Bon, c'est un jouet, donc peut-être qu'il ressent pas la douleur, peut-être qu'il est pas mort. Ça, on pourra voir ça plus tard, je pense. Oh, la fleur, elle est là. C'est bon, elle est là. Oh là là, on a enfin réussi. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas, par exemple, encore un Gibuki qui essaie de me courser. J'espère. Ok, ah, il y a une cassette encore, on va la prendre. Tac. Parfait, super. Donc là, c'est bientôt la fin de ce live parce que je pense que c'est bientôt la fin. Mais on va quand même être jusqu'à la fin pour finir le jeu en beauté. Le prototype, expérience 1006. Ok, le prototype, ils sont en train de parler d'un prototype. Donc à mon avis, par exemple, ils ont fait trop d'expérience et donc du coup après il y en a une expérience qui a mal tourné. Je pense que l'expérience 1006, ça doit être peut-être Huggy Wuggy, ou peut-être qu'il est encore vivant. Bon, ça on verra ça un peu plus tard, je pense, dans le chapitre qui nous suit. Même s'ils sont pas encore sortis. Oh là là, danger, retournement, non. C'est chaleureux ce petit mini château là. Oh, c'est chaleureux, j'aime bien. Ok.
y a toujours quelqu'un qui a entendu parler, mais ok, on vit dans un petit château. Hein. Peut-être qu'il y a Ulibiki qui est toujours vivant, et en fait, peut-être qu'il veut juste simplement nous accueillir dans un nouveau château. Peut-être, hein, on ne sait jamais. Hein. Peut-être que Ulibiki est vivant. Attendez, c'est quoi ça? Pourquoi il y a une berceau ici? Il y a une petite porte, une étagère, pourquoi on ne peut pas ouvrir? C'est fermé. Peut-être que... On dirait... Ah, c'est une berceuse. Attends, on va voir, peut-être que... Là, ça devient rouge la lumière. Qu'est-ce qu'il y a? Une berceuse. Donc peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans. Bon, allez. Je fais ça pour mes 29 abonnés. C'est Poppy. C'est Poppy. Attention, je vais ouvrir. Hein? You opened my case. Tu as ouvert ma caisse. Mais c'était tellement bien. Bon, je pense qu'on va se quitter là. Allez, salut tout le monde.